Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Je vous propose aujourd'hui une série de vidéos sur la rédaction du Manex, le manuel d'exploitation. Sachez qu'il faut distinguer deux choses. Actuellement, je fais cette vidéo en mars 2023, nous sommes sous deux réglementations différentes qui sont en période de transition et qui se superposent. Vous avez la réglementation nationale. Historiquement, elle avait commencé en 2015 avec quatre différents scénarios. Et depuis décembre 2020, le quatrième scénario, le S4, la longue élongation a été retirée pour laisser seulement les trois premiers scénarios. Donc, vous pouvez, dans votre manuel d'exploitation, utiliser seulement et simplement ces trois premiers scénarios. Du coup, la trame de votre manuel d'exploitation va reprendre la trame de votre manuel d'activité particulière. Donc, c'est quelque chose qui est marqué dans le guide drone DGAC de la catégorie spécifique. Il écrit hein, noir sur blanc que vous pouvez utiliser la trame de votre map et l'utiliser pour le faire convertir en Manex. Pardon. Sachez que cette forme de Manex est autorisée jusque la fin de la période de transition. À l'issue de la fin de la période de transition, les scénarios nationaux S1, S2, S3 disparaîtront. Et du coup, vous devrez passer sur un manuel d'exploitation au format européen. Je rappelle la date de la fin de période de transition, le 31 décembre 2025. Vous avez la possibilité aujourd'hui même, encore une fois, je fais cette vidéo en mars 2023, de rédiger un manuel d'exploitation sous le format européen. La trame, cette fois-ci, est issue de l'AMC 1 UAS Spec pour spécifique 030. Donc, si vous le tapez, hein, ce qu'on va faire après, sur votre outil de recherche préféré, vous allez avoir différents documents en anglais qui vont vous donner cette trame. Donc, cette trame, comme je l'indique, n'est pas celle du modèle présenté sur le site de la DGAC. Et nous le verrons dans les prochains épisodes. En tout cas, nous allons le développer dans les prochains épisodes. Hop. Donc, voyons hein. Ici. Donc, le canevas, si je reprends une recherche Google, hein, tout simplement, je tape Canva Manex Drone DGAC et vous avez ici, pour la partie réglementation nationale, ce canevas. Donc, c'est l'un des premiers résultats, comme vous pouvez le voir. Et c'est directement le doc. Voilà à quoi il ressemble. Donc, on va le télécharger. On va l'ouvrir. Voilà. Alors voici quelques conseils pour remplir la section 1 de la partie A. Attends que ça s'ouvre. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est le canevas type de la DGAC. Pour la réglementation nationale. Je le rappelle, hein, il ne sera plus valable lorsque tout le monde sera passé au format européen et utilisera du coup les trois différentes catégories open, spécifique ou certifié avec à l'intérieur des sous-catégories. Donc là, vous avez hein, sur ce modèle le rappel réglementaire avec toutes les textes en vigueur. Voilà. Tout ce que vous devez faire pour le remplir et tous les textes encore une fois en vigueur. Alors ce canevas, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un cartouche avec les pages, l'édition, amendement et la date. Alors le nombre de pages c'est facile pour remplir, hein, vous mettez
0, 1, 2, 3, etc., etc. L'édition, donc la première édition que vous allez faire, ce sera forcément l'édition 0 ou 1, ça dépend comment vous souhaitez numéroter votre édition. L'amendement, bah, du coup, ce sera 0, et la date de rédaction de votre Manex. Hop. Ici, donc vous devrez remplir, donc fera préalablement, pardon, vous inscrire sur la plateforme AlphaTango. À partir de là, vous allez récupérer votre numéro d'exploitant US au format européen. Du coup, il va commencer forcément par les trois lettres FRA pour les Français. Ensuite, le nom de l'exploitant, votre adresse, votre numéro de téléphone et l'email. Donc ici, toujours pareil, on remplit au fur et à mesure le cartouche. Et ici, ce sont tous les amendements que vous allez faire, toutes les modifications que vous allez apporter à votre manuel d'exploitation. Donc là, hein, ça, par exemple, si j'ai rédigé une première fois mon manuel d'exploitation, j'ai fait une première édition, amendement 0, et je souhaite ajouter un drone ou ajouter un télépilote. Dans ce cas, bah, je vais modifier ici l'amendement, je vais passer à 1 ou 2, et je vais indiquer ici le numéro de la page concernée par la modification, le numéro de l'amendement, bah dans ce cas je t'avais dit 1 ou 2, à quelle date j'ai fait cette modification, que j'ai fait cet amendement, et en surligne hein, quels sont les types de modifications apportées. Voilà, donc j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais nous sommes dans la grande partie A, généralité. Donc là, toujours pareil, on remplit le cartouche et nous voyons que nous sommes arrivés dans la section 1. Alors la section 1, c'est celle qui va donner ben, en gros la forme de votre exploitation. C'est-à-dire qui est le gérant, qui est le directeur, qui est le responsable de suivi de la sécurité, qui est le responsable d'exploitation, de la formation, des entretiens des aéronefs, etc. Alors, si vous êtes tout seul à l'intérieur de votre exploitation, c'est facile, votre nom il sera partout. Si par contre vous avez des employés ou co-gérants, etc., c'est à vous de répartir les différentes fonctions et les inscrire dans l'organigramme qui est ici. À chaque fois que vous allez mettre un emploi, il faudra décrire cet emploi ici dans les sous-sections 1A, 1-2, pardon, 1-3, etc. Donc là, hein, c'est décrire à chaque fois les différentes fonctions que vous avez mises dans l'organigramme et les différentes autres fonctions que vous retrouvez dans votre exploitation. Donc ça peut être bah, bien entendu un télépilote, un responsable de la navigabilité des aéronefs, un responsable d'entretien, etc., etc. Donc vous avez différents postes, hein, peut-être comme ça que vous avez créé dans votre exploitation, et à chaque fois ce sera à documenter en gros la fiche de poste que fait telle ou telle personne et quel est son rôle au sein de l'exploitation. Dans la section 2, ici, donc vous avez les activités de l'entreprise. Il faut compléter le tableau avec les différentes activités que vous faites. Donc généralement ici, bah, ce sera l'activité pour la plupart des personnes que je connais, ce sera de l'observation. Donc OBS comme ça, observation. Vous pouvez aussi retrouver des travaux, etc. C'est un peu plus rare, ou de l'épandage, par exemple, également. Les scénarios standard national choisi, donc là bah, ça dépend selon ce que vous souhaitez faire et quel type de matériel vous avez. Hein, si vous souhaitez faire du S1 en vue, du S2 hors vue ou du S3 en vue en ville. Et il faut cocher cette case si vous souhaitez faire de la formation aux différentes activités et scénarios que vous utilisez dans votre exploitation. À savoir que si vous cochez cette case, vous devez avoir un programme de formation pour chaque type d'activité et chaque scénario à l'intérieur de votre exploitation toujours. Voilà, c'est ici après qu'on va retrouver le programme de formation. Donc le programme de formation, hein, c'est à vous de le créer. Hein. Bon, à savoir hein, qu'est-ce que vous faites comme exercice, quels sont vos différents types d'évaluation, comment vous faites ces évaluations. Quelles sont vos grilles de notation, votre système de notation, qui sont les formateurs, quelles sont leurs expériences minimum, comment sont-ils recyclés,
etc., etc. Donc c'est vraiment tout un programme de formation, comme d'autres types de formations aéronautiques. Encore une fois, ça concerne seulement si vous faites de la formation aux activités, si vous avez coché la case et que vous souhaitez former d'autres personnes à l'extérieur de votre société. Donc toujours dans la partie A, section 3, cette fois-ci les moyens techniques, donc ce sont ni plus ni moins que vos drones. Ici, vous allez retrouver donc le constructeur, exemple un DJI, le modèle Mavic 3 par exemple, le numéro d'enregistrement que vous allez avoir à l'issue de l'inscription de votre drone sur AlphaTango, donc là où vous ajoutez un aéronef, hein, et à l'issue vous allez avoir un numéro de registre, numéro d'enregistrement, et ce sera ce numéro, c'est UASFR quelque chose que vous allez retrouver ici. L'attestation de conception, c'est si vous faites du scénario hors vue et si vous faites du scénario en ville S3 avec un drone de plus de 2 kilos. Et si votre drone fait plus de 25 kilos, pardon, en scénario S1. Quelque part, ce sera quelque chose de relativement rare. Et l'activité que vous avez effectuée, donc toujours pareil, hein, l'activité, c'est scénario S1, S2 ou S3. Donc là, ici, vous avez une petite indication sur l'attestation de conception. Hein. Sachez que pour avoir une attestation de conception, il faut que le drone soit homologué. Et une partie de cette homologation, hein, ça, c'est en quelque sorte la rédaction, à minima, hein, du manuel d'utilisation et d'entretien, le MUE. Et après, on vous décrit qu'est-ce qu'il faut mettre dans le manuel d'utilisation et dans le manuel d'entretien. Voilà, donc 3.2, l'entretien. Donc là, il faut décrire les différentes tâches d'entretien. Bon, ça peut être sur tel ou tel drone, toutes les 100 heures de vol, changer les hélices, toutes les 30 heures de vol, nettoyer l'intérieur des moteurs avec du spray sous pression. Enfin, voilà, après, c'est vous qui le créez et c'est en fonction de ce qui est marqué dans le manuel d'entretien du constructeur. À savoir que dans la plupart des cas, hein, le manuel d'entretien du constructeur, si je prends ceux de Paro ou DJI, ils sont assez succincts en fait. Donc ce sera à vous de rajouter des choses pour que ce soit un minimum sérieux, on va dire. Voilà. J'ai oublié de le préciser ici, hein, mais là, le modèle, hein, de Canva, la rédaction ensuite, elle est libre. Le contenu que vous allez mettre à l'intérieur, c'est vous qui le mettez, hein, c'est vous qui l'appliquez. Il faut appliquer ce que vous mettez à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en mettre pour pas trop rentrer dans les détails, à mon sens, pour pas vous non plus vous bloquer, mais il faut en mettre assez pour être crédible et être sérieux. Dans la section 4, toujours dans la partie A généralité, vous avez ici donc les différents télépilotes de votre exploitation. Donc encore une fois, si vous êtes tout seul, c'est rapide, hein, il n'y aura que vous. Et il faudra mettre ici le numéro de certificat d'aptitude théorique ou, pour ceux assez anciens, hein, l'attestation de suivi de formation ou l'attestation d'aptitude. Voilà. Donc si vous êtes assez ancien, avant 2018, vous avez ce numéro d'attestation d'aptitude. Avec les formations complémentaires, je ne sais pas, peut-être thermographie, photogrammétrie, etc. Et les limitations éventuelles. Donc ça, c'est pour si vous souhaitez le mettre, hein, si vous avez des problèmes de vue, etc. Dans la plupart des cas, je vous conseillerais de pas trop mettre de choses ici. Toujours donc dans la partie télépilote, comment vous gérez les compétences des télépilotes en interne à l'exploitation. Donc, quels sont par exemple le minimum d'heures ou de missions effectuées à l'année pour maintenir ces compétences. Et sinon, ce sera peut-être tous les 6 mois d'organiser un stage dans une école de formation pour faire un refresh ou un recyclage en fait de compétences. Par exemple, enfin, c'est encore une fois là, la rédaction elle est libre, c'est à vous de mettre le curseur au bon endroit. Mais par contre, hein, ce qu'il faudra le noter, documenter ce que vous faites et bien sûr l'appliquer. Voilà, donc que ce soit pour le théorique ou pour le pratique, hein, vous avez ces différents sous-titres, évaluation périodique, dossier télépilote. Alors, le dossier télépilote, hein, à l'intérieur, vous allez retrouver donc toutes les qualifications, tous les stages, tous les certificats du télépilote.
et de façon chronologique en fait, à savoir quand, qu'est-ce qui a été passé, quand. Voilà. La section 5, donc le compte-rendu, analyse et suivi d'événements. Donc là, à l'intérieur, c'est ici que vous allez décrire comment vous suivez les événements au sein de votre exploitation, s'il faut rédiger une fiche REX, au retour d'expérience, ou s'il faut faire un CRESAG, voilà. Donc là, c'est plus côté aéronautique de la chose, hein, sur le site de la DGAC pour faire remonter les informations à la DESAC. Si vous êtes rencontré à proximité avec un autre aéronef habité ou non habité, hein, ce sera peut-être quelque chose à rédiger. C'est ici qu'en tout cas que vous allez documenter quelle est la façon pour vous hein, de faire remonter les informations de sécurité à la DESAC. Et nous voici à la partie B que nous allons développer dans un prochain épisode. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez préparer votre examen sur notre site dronetheory.fr. Donc sur dronetheory.fr, vous avez accès à un site d'entraînement QCM en ligne, Drone Theory. La formation vidéo est en ligne avec 37 heures de cours théoriques plus de révision aux questions. Et je vous propose un rendez-vous téléphonique pour suivre la progression et répondre aux questions de façon un peu plus personnalisée. Une fois que vous avez souscrit donc Drone Theory, vous allez avoir accès ici à la plateforme de révision de questions, sur lequel, pour chaque question ou presque, vous allez avoir un petit cours vidéo pour bien comprendre et assimiler cette question. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour développer le Manex et sa rédaction. À bientôt!